used to think I'm the problem, that I was way too sensitive, reacting way too much, until I realized we were different types, carrying a different triggers, scaring us to death. Ça fait déjà 2 jours que j'ai rendu mes conclusions définitives sur les 2 meurtres de Thomas Rang. J'ai confirmé au capitaine de la Croix que ces 2 meurtres sont bien l'œuvre du photographe. D'ailleurs, j'ai encore du mal à réaliser. Pourquoi revient-il 5 ans après? Et pourquoi à Thomas Rang? Est-ce qu'il m'a suivi? Je comprends pas son raisonnement. Je relis en boucle les dossiers des 2 meurtres de Thomas Rang et je sèche complètement. Il n'y a aucun lien entre les 2 victimes, si ce n'est que ce sont 2 hommes, mais je n'ai pas de piste pour le moment. En parlant d'hommes, j'ai eu une visite étonnante tout à l'heure. Un nouveau voisin est venu s'installer en face de chez moi, et il est venu se présenter. Un charmant trentenaire, mon âge, et il vit seul apparemment. Il m'a proposé de venir boire un café un après-midi pour qu'on fasse connaissance. J'avoue que je ne dirais pas non. Il ne m'a pas laissée indifférente. Affaire à suivre. Enfin bref, il est tard, je vais arrêter de travailler pour ce soir. Bonjour, je suis actuellement devant le commissariat de Thomas Rang pour l'interview du capitaine de la Croix. Le capitaine va nous donner des éléments de réponse concernant les 2 meurtres récents survenus à Thomas Rang. Capitaine, vous nous confirmez qu'un 2e meurtre a eu lieu et qu'il est en lien avec le précédent ? Bonjour. Oui, je confirme. Un 2e meurtre a eu lieu maintenant, plus de 48 heures. Et que pouvez-vous nous en dire ? Avez-vous des pistes ? La presse a été totalement écartée depuis le 1er meurtre. En effet, c'est une affaire sérieuse et sensible. Nous ne voulions pas affoler nos concitoyens avant d'être sûrs de ce que nous avions. C'est-à-dire, vous avez des éléments de réponse à nous partager ? Ben oui. Enfin, j'ai une annonce de la plus haute importance, si je puis dire, à faire. Hein. D'où ma présence avec vous, évidemment. Oh, vous savez quoi ? Donnez-moi, je vais vous directement remercier. Bon, chers citoyens, au vu des éléments que nous disposons à cette heure, nous pouvons affirmer et confirmer que ces 2 meurtres sont l'œuvre du photographe. Ce tueur en série qui sévissait au Windenburg 5 ans en arrière. Alors, soyez sans crête, hein, j'ai mis les meilleurs éléments sur cette affaire. Tous les moyens seront mis en œuvre pour trouver ce meurtrier et l'arrêter une bonne fois pour toutes. En attendant, je vous demanderai d'être extrêmement vigilant. Un photographe est un tueur en série extrêmement dangereux et imprévisible. Bien évidemment, je vous tiendrai informé de l'évolution de ces enquêtes. Hein. Merci de votre attention, bonne soirée. Ah, pas de questions, je suis un peu pressé. Parfait, puis le lard dans le tour. Merci au capitaine Delacroix pour cette déclaration. Tout de suite, une édition spéciale pour revenir sur cette déclaration de choc, le retour du tueur en série, le photographe, à Thomas Rang. Restez avec nous, à tout de suite. Bonjour à tous, c'est Asteria, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Profileuse. Comme vous avez pu voir dans la fin de l'épisode 3, un nouveau meurtre a eu lieu et Antea s'est rendue sur la scène de crime avec son coéquipier Nicolas. Et donc Antea a confirmé le retour du photographe. Puis dans le machinima d'intro de cet épisode, le capitaine de la Croix a fait une interview à la télé pour annoncer que ces meurtres sont l'œuvre du photographe. D'ailleurs, la fin de son interview m'a beaucoup fait rire. J'aime beaucoup ce personnage, il rajoute un peu d'humour à l'histoire. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à me laisser un commentaire. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la suite de cet épisode.
Et on se retrouve avec Antea. Nous sommes mercredi, il est 6h50. Donc aujourd'hui, normalement, voilà, elle travaille pas et donc elle travaillera jeudi. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en profiter pour continuer l'écriture de notre livre. Et ensuite, on verra ce qu'on fera d'autre. Alors, elle a une petite envie d'aller aux toilettes. Elle va y aller tout de suite. Ensuite, elle va se laver les mains. Ah oui, du coup, la dernière fois, on s'était quitté et il y avait l'événement excès d'ordures. Du coup, bah, finalement, on va le faire ensemble. Donc, il faut qu'elle sorte les poubelles 5 fois. Donc, bah, y a déjà celle-là. Après, en fait, j'ai pas 36 poubelles. Donc, je suis en train de me demander, j'aurais pas 5 poubelles, en fait, à vider. Je vais avoir celle-là que je peux vider. J'en ai deux ici. Et c'est tout, hein. Je crois que j'ai pas d'autres poubelles. Hein. Donc, en fait, j'aurai pas la 5. À moins qu'en jetant tout ça, du coup, ça re-remplisse une poubelle, ouais. Moi, je sais pas. Au pire, après, je vais faire organiser le retrait. Hein. Bah oui, c'est normal, elle est mal à l'aise. Forcément, c'est sale. Du coup, il y a des ordures partout. Voilà, du coup, là, on a fait 1 sur 5. Ah oui, mais du coup, elle ramasse tout. Ah ouais, bon, bah, j'aurai pas les 5 poubelles, ouais. Ah mince, on a en plus une journée de coupure d'eau. Ah, pendant 12 heures. Ah non, trop nul, ça. C'est vrai, on a la totale en même temps, quoi. Bon, du coup, elle ramasse vraiment tout, en fait. Bah ouais. Et après, elle videra celle-là, et après, on organisera le retrait des ordures. Donc voilà, bah en fait, on n'a plus que ça à faire. Hein. Très bien, donc la personne, elle va venir, c'est parfait. Voilà, donc normalement, la personne, ah bah, elle est là. Ok, et pourquoi elle reste plantée là? Pourquoi elle va pas faire le retrait bah, des ordures? Ah, ça y est, elle y va. Bon, j'ai cru qu'elle était buggée. Bon, parfait. Et du coup, ouais, je viens de voir qu'on avait eu ouais, les rapports de droits d'auteur pour notre livre. Donc ça, c'est cool. Par contre, c'est moi ou bah, ça s'est remis à zéro, là, sortir les poubelles? C'est quoi ce bordel? Ah non, mais je suis dégoûtée. J'avais sorti des poubelles, j'étais à 1 ou à 2 sur 5. Bon, encore un bug, c'est génial. Ah, il y a notre papa qui nous appelle. Et Antea, Beth Sterling m'a proposé un rencard. Je crois que je devrais dire oui. Non, mais il est sérieux, là? Non, mais il est toujours avec notre mère, en fait, hein? Bah non, tu devrais... bah non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Voilà, on va répondre ça. Ah bah ça y est, excès d'ordure. Bah j'ai rien compris, en gros. Je pense qu'il y a eu un énorme bug là, mais au moins ça a coché le truc. Bon, l'événement est terminé. On va pouvoir rentrer. Et du coup, elle a pas pris de petit déjeuner, donc elle va se faire, pourquoi pas un brunch. Alors, elle va se faire du pain perdu. Alors par contre, pourquoi il y en a deux? Pain perdu 34. Pain perdu 34. What? Ok. Encore un bug, j'imagine. Bon, bah, l'un ou l'autre, hein. Elle est encore mal à l'aise parce que c'est sale, mais je comprends pas, là, il n'y a rien qui est sale, là. C'est quoi qui est sale? Moi, je vois rien de sale, hein. Enfin, là, je peux nettoyer, mais je crois que c'est pas sale, hein. Bon, on verra, hein. Ça part. Ah, bah, c'est bon, c'est parti. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, elle nettoiera quand même, hein. Allez, voilà, elle se prend son petit brunch. Et après, je pense qu'elle va... elle va écrire un peu son livre. Et j'aimerais bien après qu'elle invite ses deux parents à venir ici. Voilà, comme ça, elle les voit un peu. Puis je préfère ça que nous, on aille se déplacer. Parce que c'est vrai que souvent, ils nous demandent si on veut venir les voir chez eux. Mais je suis toujours en train de faire quelque chose et du coup, ben, je refuse, quoi. Donc, pourquoi pas les inviter? Ça peut être sympa. Et donc, du coup, quand tu auras fini de nettoyer, tu vas continuer ton livre. Et donc, ouais, voilà, elle va continuer l'écriture de Meurtre à Willow Creek. Et c'est parti. Alors, elle est heureuse, à propreté euphorisante. Et oui, elle, je crois qu'elle est soignée. Hein. Il me semble qu'elle est soignée, donc du coup, elle est contente quand c'est propre. Bon, bah, elle adore écrire, donc pareil. Hein, elle est contente d'écrire. Ah, ça, c'est encore du massage de la dernière fois. Bah, purée, ça dure longtemps. Hein. Et elle a mangé quelque chose de bon, donc voilà. Elle est contente. Elle profite à fond de son dernier jour de repos. Bon, je pense pas qu'elle aura le temps de finir le livre quand même, ça se remplit pas si vite que ça. Hein. Bon, on verra. Hein. Et du coup, vous vous rappelez, la dernière fois, on a réussi à atteindre le niveau 5 de la compétence charisme. Mais il nous manque un niveau, du coup, il faut le niveau 6 pour qu'on ait la promotion. Donc, va falloir continuer ça aussi. Bon, je pense qu'elle va arrêter là, tant pis, elle a quasiment fini, mais... Ou alors, je vais déjà inviter nos parents, et après, au pire, elle continue, hein, il s'occupe. Hein. Ouais, on va faire ça, je pense. Donc, elle va ouais, inviter ses parents. Voilà. Voilà, tout le monde arrive. Oui, bon, tout le monde, on va se calmer. Hein. Ils sont deux, hein, normalement. Et normalement, il n'y a pas la terre entière. Hein. Ah, ça y est, ils sont là. Ah ben, c'est bon, ils rentrent tout seuls. Ok, bah très bien. Ah d'accord. Non, mais il est sérieux, là? Mais qu'est-ce qu'il fait?
Notre papa est venu dans le lit. Et on dirait qu'il est en train de pleurer, quoi. Ouais, ouais, il est en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais what? C'est n'importe quoi. Ah non, mais qu'est-ce qu'il a, franchement? Je sais pas, ouais, il est triste, trop bizarre. Bon. Ah, par contre, j'ai vu qu'elle avait terminé son livre. Ouais, super. Donc elle peut le publier. Eh ben, on va faire ça tout de suite, vous savez quoi? Et du coup, voilà, on va... ben, on va vendre à un éditeur. Allez, c'est parti. Et voilà. Et du coup, maintenant, on recevra des droits d'auteur moyens. Je crois que la dernière fois, on avait fait auto-publier, je me rappelle plus maintenant. Mais bon, peu importe. Hein. Ah bah, il y a notre papa qui nous a suivis, on va un peu discuter avec lui parce qu'il a l'air triste. On va lui raconter une blague. Allez, sur les hommes politiques. Voilà, comme ça, elle discute un peu avec son père. Elle rigole un peu avec lui. Ah, bah notre maman, elle est en train de regarder la télé. Bah du coup, je pense qu'elle va faire un repas, hein. Ouais, ça va être l'heure de faire un repas, donc elle va servir le dîner. J'espère qu'ils vont pas partir à ce moment-là. Ça nous arrive assez souvent, ça. Alors, elle va servir le dîner et elle va faire... Qu'est-ce qu'elle va faire? Allez, elle va faire ça. D'ailleurs, notre mère, elle peut pas nous aider à cuisiner. Invitée à venir cuisiner. Allez. Bah, c'est parfait, ça. Ah, mais ça, c'est le reste de son brunch. Vite, faut que je le mette au frigo. Hop. J'espère que ça va pas périmer bientôt. Alors là, il y a un petit bug, c'est que, ben, en fait, on a fini, là, on l'a mis sur le feu. Elle a mis du sel dans le vide, là. C'est n'importe quoi, en vrai. Elle nous a pas vraiment aidé au final, mais bon, c'est pas grave. Au moins, elle nous tape la discute. Et voilà, elle a terminé de préparer, et donc, elle va appeler à table. Ah oui, mais du coup, ils se mettent là, mais du coup, tout le monde ne pourra pas venir. Bon, c'est pas grave, au pire, elle va manger debout. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui mange debout. Génial. Franchement, ils auraient pu se mettre à table, mais bon. Trop tard maintenant, on a déjà fini son assiette. Voilà, donc il passe un petit moment en famille, tranquille. Bon, nous du coup, on a pu terminer notre livre. Par contre, j'ai pas du tout le temps de faire la compétence charisme, mais c'est pas grave. Hein. Au pire, là, ils vont rentrer et elle va le faire un petit peu avant d'aller se coucher. Ah, Louise vient de devenir une bonne amie d'Antea. Ben oui, en même temps, c'est sa mère, quoi. Ah, nouvelle dynamique familiale, solidaire. Est-ce que la dynamique familiale entre Antea et Louise est une dynamique de soutien? Ah bah oui, absolument. Hein. Allez, moi ça me va. Bon, par contre, ouais, là, il faut qu'elle travaille sa compétence charisme, donc elle va nettoyer tout ça. Elle va passer aux toilettes. Ah, la journée de coupure d'eau est terminée. Bah c'est parfait parce qu'il faudra que je prenne une douche. Hein. Je dois vraiment y aller, oui. Très bien, ça nous arrange. Et du coup, tu vas bah, t'entraîner à faire un discours, hein, toujours pour... Ah, il y a s'entraîner à danser aussi, mais bon, du coup, ça va faire travailler la compétence danse. Donc, bah non, s'entraîner à faire un discours, toujours. Hein. Allez. Bon, ça augmente vraiment doucement, franchement. Bon, pour le moment, ça va, elle est pas trop fatiguée. Elle ira quand même prendre une douche avant de se coucher. On va essayer de faire le maximum, et au pire, bah, on atteindra le niveau 6 demain. Hein. Sachant que demain, elle travaille, donc elle rentrera à 16h et... On continuera ça à 16h quand elle rentrera. Ah, je viens de capter qu'elle n'a pas le plumb bob sur elle et la barre de compétences parce que je l'avais enlevée. Je vais la remettre tout de suite parce que c'est vrai que... Sinon, on voit pas la compétence... Sinon, on voit pas la compétence se compléter et ça me perturbe. Voilà. Ah bah d'accord, bah ça n'a pas remis la barre. Ouais, c'est parce que j'ai remis l'affichage quand elle est en train de le faire. Je pense qu'il faudrait que j'arrête peut-être et que je recommence. Ouais, c'est bon. Parfait. Bon, par contre, là, il est minuit et ouais, il faut qu'elle arrête. Elle va vite prendre une douche et aller se coucher. Hein. Oh non, elle a cassé un lavabo. Vite, on va réparer. Après, elle va prendre une douche. Elle nettoiera ça et elle ira se coucher. Voilà, voilà. C'est pas son fort, le bricolage. Hein. Faudrait qu'elle ramène un homme à la maison, quand même. Hein. J'avoue que... va falloir qu'elle se trouve quelqu'un en T1. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bye bye le bricolage. Ouais, je pense qu'elle aime pas le bricolage, hein, définitivement. Hein. Vu le temps qu'elle a mis pour le réparer, on va mettre oui, qu'elle aime pas le bricolage. Ouais, là, elle est très mal à l'aise parce qu'elle est très fatiguée et qu'en plus, c'est sale parce qu'il y a des flaques d'eau par terre. Allez, c'est bon, tu vas nettoyer tout ça. Ah, je suis en train de me dire, il va falloir qu'on fasse des machines. Hein. Ouais, parce que là, ça va vite être plein. Bah, on fera une machine demain. Hein. Allez, c'est bon, tu nettoies et après, tu peux aller te coucher enfin. À 2h du mat', tu te couches. Bah, bravo. Allez, c'est bon. Ouf. Et du coup, elle travaille à 8h. Bon, ben, elle aura pas énormément dormi, mais c'est pas grave. Hein. Au pire, je vais la faire lever au dernier moment. Elle va pas manger, elle mangera au travail.
Ah ouais, déjà dans une heure, ah bah oui, punaise. Allez, vite, il faut qu'elle se réveille là. Voilà, parce que là, ça va être 8h et il faut qu'elle parte. Voilà, on va dire qu'elle s'est réveillée à la bourre, hein, parce que... Elle s'est couchée trop tard. Allez, ça va être l'heure. Allez, c'est bon. Elle va au boulot. Ah bah mince, il fait pas beau aujourd'hui, il pleut. D'ailleurs, pour le moment, on est au printemps, ouais. Ah bah, il reste que 2 jours de printemps. Ok. Oh non, j'en ai l'économie d'électricité, mais c'est une blague. C'est moi qui voulais faire des machines, mais comment je vais faire? Oh non, mais je suis dégoûtée, là. Non, mais j'en ai marre, j'ai l'impression qu'il y a toujours des coupures, sérieux. Bon, bah voilà, bah, je peux pas faire de machine. J'allais justement dire, je prépare l'interaction pour faire la machine. Mais du coup, je peux pas. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire autre chose. Bah du coup, elle va, bah voilà, quand elle va rentrer, elle va continuer à travailler sa compétence charisme. Puis elle va se lire un petit livre tranquille, et puis voilà, hein. Allez, je lui prépare de suite, s'entraîne à faire un discours. Comme ça, on aura enfin le niveau 6 et on pourra avoir une promotion à la prochaine journée travaillée. Ah, on a reçu les rapports de droit d'auteur pour Meurtre à Willow Creek. Super, ça. Ah, on a quand même 206 hein, pour Meurtre à Willow Creek. Et on a 98 pour le premier livre. C'est pas mal, en vrai. Hein. Ah, c'est le jour de l'amour. Ah bah, j'ai loupé. Mais c'est demain, donc pas aujourd'hui. Ah, il y a notre papa qui nous appelle quand on est au travail. Finalement, ah oui, je n'ai pas fait de rencard avec Beth Sterling. Bah, j'espère bien. Et voilà, elle est rentrée. Et c'est parti pour la compétence charisme. On atteigne enfin ce niveau 6. Bon, elle a faim, mais bah, ça attendra le repas. Hein. Pire, elle mangera un petit peu tard. Moi, je veux qu'elle finisse la compétence charisme au niveau 6. Encore notre papa qui nous appelle. Bonjour ma chérie, c'est papa. Quand vas-tu venir nous voir? Oh, mais ils sont sérieux. J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ton vieux père que tu l'aimes, non? Oh, mais ils sont venus hier, quoi. Sérieux. Bon, je vais répondre ça. Je peux pas. C'était sympa de parler avec toi. Parce que là, en vrai, j'ai pas envie qu'ils reviennent alors qu'ils sont venus hier. Et j'ai pas envie d'y aller. Donc, ouais, on va répondre ça. Tu es une jeune femme brillante et très occupée désormais. Eh oui. Je suppose que ma fille me ressemble, mais tu me manques. D'accord. Je suppose que ma fille me ressemble. Non, mais trop drôle, quoi. Je serai toujours là si tu as besoin de moi. D'accord, bon, c'est trop gentil. Ouais, ça va, on les a invités hier. On les a pas oubliés non plus. Hein. Ah, mais du coup, elle est triste. N'a pas vu ses parents. Non, mais sérieux, tu les as vus hier, quoi. Oh, des moments, c'est relou, hein. Enfin, bref. Ah, nouveau trait de caractère. Anta se sent vraiment confiante et sûre d'elle ces derniers temps. Elle est prête à sortir et affronter tout ce que le monde lui réserve. Accepter le changement, sûre d'elle. Alors, est-ce qu'on dit qu'elle est sûre d'elle? Moi, j'ai envie de dire oui, en vrai, hein. Ouais, je pense que ça lui ressemble assez, quand même. Allez. Super, caractère découvert. Donc, elle a découvert un nouveau trait de caractère, sûre d'elle. Ouais, par contre, là, elle commence vraiment à avoir faim. Ah, maintenant, c'est notre mère qui nous appelle. Bah, allez, oui, on répond. Ouais, du coup, faut qu'elle arrête ça, sinon on va pas pouvoir répondre. Allez, c'est bon, elle a réussi à répondre. Au pire, elle fait une petite pause et elle va aller manger. Oh mince, j'avais pas rangé ça, du coup, c'est gâté. Oh non, je suis dégoûtée. Bah, tant pis, hein. De toute façon, je pense qu'on a d'autres restes dans le frigo. Ouais, prendre des restes. Oh, mais elle est hyper fatiguée, mais on a toujours pas fini le niveau 6, là. Non, 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 on va continuer, tant pis, on va pousser à bout, et puis voilà. Hein. Allez, termine ton repas, et après tu continues. Par contre, elle est encore mal à l'aise parce que l'environnement est sale. Mais là, honnêtement, à part cette assiette qu'elle s'apprête à nettoyer, je vois pas qu'est-ce qui est sale. Donc, je comprends pas. Même les plans de travail, là, ils ont l'air propres. Donc, je vois pas qu'est-ce qui est sale. Bon, tant pis, on verra bien. Peut-être qu'il y a un truc à nettoyer, mais bon, je vois pas quoi. Et du coup, allez, reprends vite. Ah non, elle peut pas parce qu'elle est trop mal à l'aise. Ah non, je suis dégoûtée là, en fait. Mince. Bon, je l'ai fait un peu nettoyer le plan de travail. On va voir si maintenant je peux la faire travailler. Ah, c'est bon, ouf. Donc vite. Mais elle va encore se coucher tard, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez, moi je veux qu'on y arrive là. On fait juste ça et après on va se coucher. Ah, c'est bon, c'est enfin parti le truc environnement sale. Je pense que ça vient assez rapidement pour Antea parce qu'elle est soignée. Et du coup, le moindre truc un peu sale, ça doit faire ça. Ah, on y est presque. Allez, allez, allez. Non, non. Non, mais non, elle a arrêté avant pour aller se coucher. Non, non, non. Non. On allait atteindre le niveau 6, là. Je suis pas d'accord. Ah, ben voilà, c'est bon. Allez, c'est bon, on va te coucher avant de tomber, là. Allez. Et du coup, nous, on va pouvoir se laisser là pour cet épisode. On a fait 2 jours sim. Bon, on n'a pas réussi à avoir la promotion à cet épisode, mais on l'aura forcément au prochain, puisque maintenant, on a tout coché, voilà. Et la performance est excellente, donc
Voilà, la promotion sera pour le prochain épisode. Et c'est donc avec cette image d'Antea qui est paisiblement endormie qu'on se laisse pour cet épisode. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! Got so much to say, never thought it would end this way. I've had so many thoughts spinning in my head. I wanna right my wrongs, never thought they would do such harm. You got so many reasons spinning in your head. That's why you left, indispensable pain in your chest. Was for the best, or you would break. That is why you left without a text. I miss you, babe. I'm forgiving everything that we said when we were drunk. It doesn't matter, cause it all came from. Encore une semaine qui s'achève. Au boulot, c'est le calme plat. Pas de nouveaux meurtres du photographe, et pas d'éléments nouveaux depuis que le capitaine de la Croix a annoncé le retour du photographe à la télé. Mais à vrai dire, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que rien n'est un hasard si le photographe est revenu ici et maintenant. J'espère trouver des réponses rapidement. En attendant, j'essaie de m'occuper un maximum pour penser à autre chose. D'ailleurs, Pierre, mon nouveau voisin, m'a invité à sortir au marché nocturne d'Automarang ce soir. Je sais pas si on peut appeler ça un premier encart, il faut bien commencer par quelque chose. D'ailleurs, ça fait une éternité que j'ai pas eu de relation sentimentale sérieuse. Ça fait trop longtemps que j'enchaîne les relations sans lendemain. L'une des conséquences de ma dépression d'il y a 5 ans, malheureusement. Enfin bref, on verra bien ce que Cupidon me réserve.